Bonjour et bienvenue sur F1 2024. Non, vous ne rêvez pas, on va bel et bien jouer avec les nouvelles combinaisons, les nouvelles livrées. Aujourd'hui, on teste un mode qui va être complètement fou. Je vous propose de passer le générique parce que maintenant, on le connaît par cœur avec la Formule 1. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est tous les jours en live sur Twitch. Et le week-end, on regarde les Grands Prix. Même quand il faut se lever à 5-6 heures du matin, on regarde les Grands Prix. Donc, n'hésitez pas à tout simplement venir voir avec nous. Alors aujourd'hui on va tester F1 24 Season Mode. Donc c'est tout simplement un mode qui vient de sortir dans lequel on va pouvoir jouer et tester avec les nouvelles livrées. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut ressembler et voir tout simplement comment ça va se passer. Comme vous pouvez constater, le mode permet de modifier également l'affichage avec notamment la première image du jeu. Et je pense que plus on va rentrer dans le jeu et plus ça va être changé, notamment avec World in Progress. C'est quoi ça? Non, je crois que ça c'est la boutique en ligne, ça plutôt. Ah, c'est là par contre, regardez, on voit directement le générique qui a changé avec Max Verstappen qui se fait pousser par les mécanos Red Bull. Là, je trouve ça beaucoup trop stylé, l'incrustation de Red Bull. Alors, on va pas se concentrer sur les différents modes ici, on va plutôt aller regarder les nouvelles livrées. Et pour ce faire, on va aller en mode Grand Prix F1 2023-24 plutôt. Bahreïn, parce que de nuit, c'est encore plus stylé de découvrir les monoplaces. Et là, découvrons directement les voitures. Alors la Red Bull, j'ai envie de vous dire, elle ne change pas. La Red Bull finalement, elle est là, à son habitude, elle ne vous change pas. Par contre, la Ferrari, oh là là. Oh là là, la Ferrari, quand on peut voir la touche de jaune rajoutée, la touche, la nouvelle livrée tout simplement Ferrari, la Mercedes également qu'on va pouvoir découvrir. Oh waouh, ok, c'est vraiment vraiment bien fait, hein. Les modes, ils sont réellement bien faits. L'Alpine, alors, l'Alpine personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis vraiment... J'ai du mal, même si Alpine je suis fan vraiment de l'écurie. Par contre c'est vrai que le fait qu'ils ont mis autant de carbone et autant de noir me dérange un petit peu. McLaren maintenant. Ok, McLaren, voilà, elle est stylée, ok, classe. Là, l'un des plus gros changements c'est la livrée kick, la livrée Sauber Steak. Oh là 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 là, putain elle est stylée en vrai. En vrai, à jouer, elle est stylée. Noire, vert comme ça, je la trouve vraiment, vraiment clean. L'Aston Martin, bon, avec la touche de verte, avec les petits traits jaunes, elle est classe. La Haas, la blanche et noire. Attention, la Visa Cash App, et vous avez pu voir, je pense, mais les logos en bas, également juste ici, ont été modifiés avec, par exemple, la Steak qui est ici, et la Visa Cash App avec l'écurie. Oh là là, oh, elle est stylée, elle est stylée, elle est stylée. La Williams avec Duracell. Putain, Duracell, on dirait vraiment une pile, hein. Genre vraiment plus les années passent, plus on dirait vraiment qu'il y a une pile qui est en train de se dessiner. Et après ça c'est la voiture My Team, ça c'était pour le clip. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui est sortie, ça s'appelle le rap de la Formule 1. C'est un rap qui est sorti, une musique dans l'univers de la Formule 1. Et j'avais pris cette livrée là pour jouer Pepito, voilà pour la petite anecdote. Bon, en termes d'écurie, j'avoue que j'aimerais partir sur Ferrari pour voir vraiment comment ça se passe, etc. Parce que c'est ma livrée de cœur. Mais en vrai, celle qui change le plus, c'est la livrée Steak. Donc on va prendre la livrée Steak avec, oh là là, les combinaisons aussi qui ont été changées. Mais incroyable, regardez ça, Zour et Valtteri Bottas. On va prendre Bottas. Mais juste avant, je serais curieux de voir la Visa Cash App, les combinaisons. Oh, ok, c'est stylé, hein, les combinaisons qui ont été modifiées. Il y a vraiment tout qui a été modifié. C'est beaucoup trop classe. On se reconcentre avec Bottas et let's go. Oh là là, Valtteri Bottas qui est déjà en condition pour aller directement jouer directement un Last to First. Parce que oui, si vous ne savez pas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au GP de Bahreïn avec mes setups. Bien évidemment, je vous rappelle, les setups sont hyper, hyper importants. Je vous fais une mini parenthèse par rapport à ça, mais les amis, si vous n'avez pas de setup, allez directement prendre un setup. J'ai fait une vidéo, je vous la mets juste dessus, qui sort sur un setup sur chaque circuit. Un setup peut vous faire gagner jusqu'à une seconde au tour. Alors imaginez sur une course entière comment c'est hyper important. Réellement, mes amis et messieurs, c'est très 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 important, c'est indispensable. Vous êtes beaucoup à me demander avec quel niveau de difficulté je joue, les amis. Moi je suis pour la carrière, donc je fais une carrière tous les jours en live sur Twitch. La carrière Naruto est à 107%. Pour le défi Last of Us, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis un petit peu plus bas pour essayer de le faire. Et on y va directement, regarder à droite la Williams. On va arriver sur Ricciardo également, l'AlphaTauri. Et toutes les nouvelles livrées, finalement il y a toutes les nouvelles livrées qui sont ici. Donc c'est vraiment trop stylé à voir. Il y a une Ferrari, oui. Elle joue à quoi la Ferrari être aussi loin? Catastrophique. Carlos Sainz qui est 16ème. Oh là là, c'est pas cool pour Carlos Sainz. Je me permets juste parce que je voulais voir à quoi ressemble le premier virage avec toutes les nouvelles couleurs, toutes les nouvelles livrées. Et alors là, c'est vraiment trop stylé. En fait, la kick, elle ressort bien parce qu'elle est vraiment flashy. Du coup, elle ressent bien la caméra sur le Grand Prix de Bahreïn quand c'est de nuit. Bref, on va pas se laisser faire. On y va directement sur l'extérieur, sur Sergio Perez à la accélération. Alors vraiment, la Red Bull, elle ne change pas, hein. Clairement, c'est la même livrée qu'on a l'habitude de faire. Vous êtes également beaucoup à me demander comment je fais pour avoir le classement à gauche. Il y a un classement... Oh merde! J'ai failli me niquer Oh non! Comment ça? Oh, on a rien vu, hein.
Frère, on est en défi Battle Royale ou... Bon les gars, je sais pas faire deux choses en même temps. Est-ce que ça s'est remarqué ou pas? Bon, on utilise un flashback, on a rien vu. On y va directement pour la continuité du défi qui est juste un défi tranquille, un défi chill. Y a pas de problème par rapport à ça. On y va sur Mac du CNM sur l'intérieur. Voilà, on plonge sur la nouvelle As. On va arriver sur la nouvelle McLaren. Alors l'idée de toute façon, c'est de regarder et d'observer un petit peu les nouvelles livrées. Regardez bien, on va voir la McLaren avec un petit Dave qu'on va proposer dans quelques instants. Regardez ça, bam bam. Oh là là, c'est beau. C'est beau ça, directement le top 11. Petit décalage, freinage aux 50 mètres. Franchement, le dépassement il passe clean. Et on y va directement avec la stick. Voilà, parfait, hop, on y va directement, on continue. Et donc maintenant, l'idée, c'est d'aller chercher littéralement la première place. Donc on va essayer de faire, même si le premier et deuxième ont visiblement pris pas mal d'avance dans ce Grand Prix. On y va sur Russell, à l'accélération, le DRS, le RS. Non, le DRS n'est pas encore autorisé, je dis de la merde. Donc, sur F1 2023, d'ailleurs, je ne sais pas pareil si vous le savez, mais le DRS est autorisé au troisième tour. Or, dans la vraie vie, il est autorisé au deuxième tour. Donc, sur F1 2024, il sera également autorisé au second tour. On y va sur notre coéquipier à la 8ème place. Mais attendez, mais on est déjà 8ème place. On est déjà 8ème. Mais le défi, je vais réussir en la main ou quoi là? On va attaquer Yuki Tsunoda. On va se permettre de regarder un petit peu cette nouvelle livrée, l'AlphaTauri. Oula, j'ai failli faire de la connerie. Je voulais dire la Visa Cash App. On va se permettre de la regarder dans le freinage qu'on va proposer d'ici quelques instants. Regardez, bam! Directement avec la Visa Cash App, on va regarder même en replay. Je pense que ça vaut le coup de regarder un petit peu ce que vaut tout simplement cette livrée. Alors, on y va tranquillement sur l'intérieur. Regardez en plus la vue. Oh là là, oh là 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 là, elle est belle, elle est belle. Oh, il a glissé en plus. Il s'est doublé par notre mate en plus. Dans la foulée, directement, bam bam. Hop, on va continuer ce last to first. En plus, il n'y a que 5 tours, on est déjà à la moitié de course. Ça va quand même très vite. Même si le top 3 ont pris l'avantage. Ça devrait peut-être le faire, à part Max Verstappen, qui est haut la main. Oui, tout à l'heure, je disais comment je fais pour avoir le mode à gauche. Enfin, comment je fais pour avoir le classement au niveau de gauche. En fait, tout simplement, c'est un mode que j'ai mis sur le jeu. C'est un mode que j'ai galéré pendant vraiment 3h30 à le planifier et tout, parce qu'il faut tout le mettre à la main, et etc. Mais c'est vraiment stylé. Le rendu, c'est comme dans la vraie vie avec les images que vous pouvez retrouver sur la télé. Donc, en vrai, je suis très content de la finalité, mais ça prend beaucoup de temps, donc n'hésitez pas à le faire également. Le meilleur tour de Max Verstappen, une 33.1. Nous sommes en combien? Nous, on va regarder, on est en 34.5 qui nous met la misère. Fernando Alonso qui attaque Charles Leclerc sur l'intérieur au premier virage. On va y aller sur Albon dans la foulée, le double 2 de front. Et attention parce que là, il y a peut-être quelque chose à faire entre Leclerc et Alonso. Si Leclerc se loupe, il y a le DRS qui est autorisé. C'est peut-être maintenant directement dans la foulée pour aller sur Charles Leclerc. Il protège l'extérieur. Alors attention. Comment on peut la jouer? On va la jouer sur l'extérieur de Charles Leclerc pour venir le doubler avec sa nouvelle Ferrari, hein, mesdames et messieurs. On va aller regarder. Oh là 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 là, l'extérieur, il s'est décalé à l'intérieur. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la part de la Ferrari. On peut voir que dans la vue halo, la vue dans cette vue-là, ça change pas grand-chose, hein, du côté de la Ferrari. Par contre, on voit du côté de la steak. Là, on voit un petit peu plus de changement. Bon, on est top 5. C'est pas mal. Il va nous rester bientôt 2 tours pour aller chercher la victoire. Il a réussi à prendre pas mal d'avance le Verstappen. Il va falloir quand même commencer à mettre la seconde si on veut être capable d'aller chercher. On va essayer de dive Alonso. Regardez bien, on va aller sur l'intérieur avec cette petite steak F1 Team. L'intérieur d'Alonso à l'accélération, on aura le DRS et ça va passer tranquillement pour venir récupérer le top 4 de ce Grand Prix. Et là maintenant, la prochaine étape, c'est le podium. Bon, on a récupéré le meilleur tour en 1.32.4 les amis. Mais par contre, nous sommes dans l'avant-dernier tour. Et là vraiment il est à quoi, 2 secondes 4 devant, 2 secondes 4 et 2 secondes. Donc là l'idée à la fin de ce tour, il faut avoir doublé déjà Hamilton et être à la seconde près de Oscar Piastri qui est deuxième. Que fout Oscar Piastri deuxième d'ailleurs. Alors on va avoir le DRS sur Hamilton, je vais devoir dépasser Hamilton dès maintenant. En plus j'ai niqué mon ERS, donc là vraiment en plus j'étais pas concentré, j'ai fait n'importe quoi avec l'ERS. C'est pas grave, on va aller chercher Hamilton maintenant et on aura un tour à fond les ballons pour essayer d'aller chercher au moins la deuxième place, parce que la première place me semble quasiment impossible. Voilà, l'extérieur sur Hamilton, je pense que dans tous les cas vaut mieux le doubler maintenant quitte à lui offrir le DRS. Ah non, tu sais quoi, on va louper, on va repasser en sixième. Comme ça il nous donne le DRS, on l'enveloppe sur l'extérieur et comme ça ça nous permet de revenir avec le DRS sur Oscar Piastri qui est à 3 secondes. On a littéralement, non pardon,
Il y a 3 secondes à Hamilton, on est à 2 secondes 5. On a 2 secondes 5 pour aller chercher Oscar Piastri. On est en train de le rattraper très très fort, le Oscar Piastri, le pilote McLaren qui est en train de faire une très belle performance. Sinon j'espère aussi que vous regardez les shorts. Les shorts que je propose sur la chaîne, je propose pas mal de quiz en ce moment sur est-ce que vous êtes vraiment un fan de Formule 1, des quiz sur le tennis, des quiz un petit peu à droite et à gauche. J'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo par exemple des idées de quiz ou des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Ça pourrait être carrément des idées que je pourrais proposer et vous faire par la suite. Oscar Piastri qui est bientôt sous la seconde, maintenant il est sous la seconde. On n'a pas de DRS malheureusement, on n'a plus de DRS. Il va falloir être très fort dans le secteur 3 si je veux être capable d'aller chercher. On va retarder un petit peu le front de freinage, gérer un petit peu la réaccélération, short shift sur la 4 et la 5. On y va directement sur la 6, ça va être dur hein. Oscar Piastri qui a l'air vraiment solide sur ses appuis, le pilote. On n'est pas très loin, on aura l'aspiration, mais on n'aura pas... Oh là là, il a plus de RS non plus, ça clignote. On va tenter éventuellement un dive sur Oscar Piastri. Non, on pourra pas, mais peut-être l'envelopper sur l'extérieur. Voilà, gérer la réaccélération, Oscar. Allez, 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 avec le DRS. Vite, 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 vite. Aïe, 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 aïe. Dommage. Bon, on l'a cherché un last to top 3, c'est quand même correct. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les likes et dans les commentaires si c'est le cas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous rappelle tous les jours en live sur Twitch, alors je vous attends.